Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où nous avons la joie, le bonheur, que dis-je le bonheur, le plaisir l'avantage. D'accueillir de l'avantage. L'avantage d'accueillir mademoiselle Adeline. Bonjour. Si présente, entière. Mais coupée. Hein. Elle n'est pas venue seule, car elle ne sait pas conduire. Elle est venue avec l'ineffable Jeff Dasmodé, qui sait conduire. Oui, qui est une voiture. Au moins. Et nous avons réveillé pour participer à cette Trick Track TV. Je croyais que tu étais Lynn et moi Fable, c'est pour ça que c'était... Ça peut, si tu veux. Trop tard. On ne saura pas qui est ce jeune homme ici présent qui finit de boire son café. Non, c'est le Dr Mox, parce qu'il fallait être 4 à cette table pour pouvoir comprendre comment fonctionnait Ornette, ouais. Ce qui signifie frelon. Exactement. Bien. Et quand on dit frelon, on pense à quoi? Le frelon vert. Vous savez que j'ai toutes les saisons du frelon vert en DVD à la maison. Ça ne m'étonne pas. Ça n'a rien à voir avec ça. On le coupera au montage, mais en tout cas, avec les fans de Kato, et notamment les premiers essais de Bruce Lee, car Kato était joué par Bruce Lee, qui faisait ainsi ses débuts au cinéma américain, à la télévision, devrais-je dire, puisque c'était une série télévisée. Tout à fait. Enfin, on aime bien mettre des éléments... Et donc là, tu peux rajouter le truc sur Michel Gondry. Qui va réaliser le prochain épisode de... Pas le prochain épisode, un film. Un film. C'était le moment cinéma. Tout cela est très décousu. La minute... Bon allez, on va passer aux choses qui nous intéressent. Ornette de Jani et Théo Molis. Et oui. Qui sont donc ces gens? Jani, c'est celui qui présente les trucs sur les frelons sur France 3. C'est très très TV, mais surtout France 3 Finlande en fait. Tu vois, parce que c'est un jeu finlandais. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, je fais ça quand on me coupe sans arrêt. Bon, vous voulez qu'on parle de votre jeu ou on dit mais que oui. des conneries? Bah, c'est bon, toi alors. Qui parles d'autre chose en même temps. Non, c'est le mot. Mais moi, je ne sais pas faire autrement. À chaque fois, je le vois sur MSN et Skype, je lui dis « Hey, le mot, tu veux venir ?» Et quand il vient, à chaque fois, je regrette. Donc c'est un peu comme une belle-mère, en fait. Je vois là, nous avons donc Ornette, un jeu de Jani et Théo Molis. Oui. Qui sont donc ces gens? Molis. Des Finlandais, donc, pour un petit jeu finlandais que nous venons présenter. D'une petite boîte qui s'appelle Lotapelite. Lotapelite.fifi, c'est pour Finlande. C'est ça. Non, c'est pour FIF. Non, c'est pas la FIF. La FIF. Donc, je vois qu'il y a marqué Asmodée derrière, mais en distribution. Vous n'êtes pas l'éditeur de ça, en fait. Non, mais c'est tout comme, en fait, on l'a un peu pris à notre compte. Donc, voilà. On vient le présenter aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles pris à votre compte? C'est-à-dire que vous preniez le pognon? En fait, d'habitude. Non. Aussi, pour nous le donner. C'est-à-dire quoi, en fait? Non, en fait, ils n'ont pas de représentants en France. C'est ça. D'accord. Donc, ils ne peuvent pas faire leur communication, qu'on l'a fait pour eux. D'accord. Et c'est aussi des gens qui sont super sympas. C'est des gens qui font beaucoup pour la promotion de leur jeu de société en Finlande. Aussi bien gaulé que toi. Aussi. Moi, je verrais ça comme ça. Alors qu'il y a des Finlandais beaucoup mieux gaulés que moi. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on parlera pour être d'Ornette. Ok, on en était où? Et ça va être chaud à monter, ça. Pour isoler les voix, ça va être chaud à monter. Donc tu disais. La promotion des jeux de société en Finlande, c'est eux qu'on fait, qu'on a amené les aventures du rail par exemple en Finlande. Ah d'accord, ok. Et donc du coup, maintenant. On rend un petit peu l'appareil. Ah, ok, ça roule. Donc c'est un jeu qu'ils ont auto-édité, on va dire, chez eux là-bas, en montant leur petite boîte, Lotapelite. Parce que Jani et Théo Molis sont les gens de Lotapelite? Non. Je ne sais pas. Alors ça, par contre. J'adore ce On n'a pas l'info. J'adore, c'est le niveau de la prononciation. Jani et Théo Molis. Ça, c'est mais il n'a pas s'être sur lui, parce qu'il y en a deux. Jani et Théo Molis, ça me fait rêver, moi. Et là, nous en sommes à 4 minutes 10 de vidéo, on ne sait toujours rien sur ce jeu. On peut te l'expliquer si donc allons-y. Je vois qu'il y a du matos, il y a des cubes en bois, ça c'est bon. Il y a des tuiles. Des cubes en bois, ça réveille le geek qui dort en toi. Exactement. Et pas que. Et pas que. Et là, par contre, c'est des ornettes bodybuildées. Hein. Ouais, c'est fabuleux. Alors, attends, faisons les choses dans l'ordre. Je vois qu'il y a marqué de 2 à 5 joueurs, nous sommes 4. D'abord, les préliminaires. Donc, ça va. Ok. 10 ans et plus, ça devrait aller. Physiquement, en tout cas, ça devrait aller. Oui, parce que là, je m'entends. 30 à 60 minutes, donc c'est à la fois court et parfois un peu long. Non, ça dépend, ça dépasse, comme diraient certains. Franchement, ça se passe. Ok, allez, je vais poser cette boîte par-dessus vers moi. Il y a un bon rythme. Ornette est un jeu de plateau piquant pour toute la famille. Ah, c'est un jeu familial. Ouh, il faut quand même pas mal réfléchir. Hein. C'est, pour les familles intelligentes. Il y a du petit quelques, voilà. Uniquement pour les familles geeks. Les joueurs doivent anticiper les coups de leur adversaire et aussi bluffer un petit peu. Mais dans la limite du raisonnable. Chaque joueur contrôle 2 frelons qui volent rapidement dans un champ de fleurs pour récolter du nectar et produire autant de miel que possible. C'est ça. Le frelon le plus travailleur gagnera la partie. Je peux vous dire que ça ne risque pas d'être le mops.
Ah bah, ils sont ça, niveau travail, j'impose cette boîte par devant moi. C'est un peu des... Donc, par respect pour les cours de sciences nat, on va appeler des lapins, nos frelons des abeilles. Mais non, c'est des abeilles. Donc, nos petites surtout abeilles. Surtout les blancs, ça fait très lapin. Bon, ouais, alors, on y va. Voilà. On va couper leur micro. Les petites abeilles qui volent donc dans les champs pour récupérer du nectar, donc les petits cubes jaunes, qui leur permettra ensuite, dans les ruches, de produire du miel. D'accord. Tout se tient. Alors, donc, tout se tient. Du nectar ou du pollen? Du nectar. D'accord. Oui. Donc, vous êtes perplexe. Non, c'est pour savoir si je travaille avec mes cuisses ou ma trompe, c'est tout. Je pense que Jeff va vouloir travailler avec ta trompe. Ça va être très intéressant aujourd'hui. Ou pas. Vous voyez, quand je dis, je regrette parfois de l'inviter. Donc, vous voyez là, non, tu as raison, le champ d'action. Ici, une petite piste de score qui sert aussi de compte-tour. D'accord. Avec des rounds d'action, symbolisés par des petites fleurs, et des rounds de score, symbolisés par des sortes d'alvéoles, avec une lettre dedans, lettre qui correspond à la ruche qui va être décomptée. Donc ici, la première ruche, ça sera la ruche A. Ah, c'est écrit là. C'est écrit là. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a marqué A ici. Utiliste. Et donc ici, il y a marqué D. Voilà, c'est ça. Petite question. Tu as placé ça de manière aléatoire au départ? Non. Il y a un setup de base pour les premières parties. J'ai suivi exactement ce qu'on a dit. Le setup de base. Mais après? Après, ça peut être... Oui. Après, tu fais comme tu veux. Ça peut être aléatoire. Pareil sur la piste de score pour changer, tu vois, pour un peu varier le rythme des parties. Tu peux enlever et changer un petit peu les rounds de score et les rounds d'action. Ah, ça s'enlève. Ça s'enlève, voilà. Ah, mais oui, mais il faut le dire tout de suite. C'est modulable, monsieur Fall. D'accord. C'est le premier... Compteur de... Modulable. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ah, moi, je suis un peu époustouflé. À côté de ça, la nouvelle du frelon vert par Gondry, tout le monde s'en fout. Et puis, on voit bien que c'est vraiment... Enfin, c'est pas vous qui l'avez fait. C'est vachement beau comme, comme qualité. Oui. Ce qui prouve que la fin, on est vraiment en avance, en termes, non pas de société, mais de technologie de jeu, en fait. Ouais, c'est incroyable. Ça. Là, vous nous avez bluffé sur ce coup-là. Ah, vous avez bluffé. C'est qu'un début. Attends, hop, le petit marqueur. On tourne. Ok, donc comment est-ce qu'on joue donc à ce truc? Donc comment est-ce qu'on joue donc? Déjà, il y a un problème. Ah. Pourquoi j'ai les roses? C'est moi qui te les ai données. C'est un cadeau. D'accord, alors ça va, je ne dirai rien. Il y a des chouchous ici. Ouais. Oui. T'as vu donc, comment ça casse l'ambiance? Ouais, c'est clair. Allez, on t'écoute parce donc, que quand même, cadeau. On veut gagner. Donc, alors, comment on joue? Il y a les rounds d'action. D'abord, je vais expliquer les rounds d'action, ensuite les rounds de score. Prends-le devant toi, parce que je suis sûr qu'on ne te voit plus là quand t'expliques. Vas-y, tu prends ça devant toi, bah oui, tu me vautres. Alors, là-bas. Attends, regarde, la caméra elle est là, pas. Regarde. Les rounds d'action avec les petites fleurs, voilà. Puis, suivi de. Elle veut le remettre là-bas pour se revautrer là-bas. Mais non, je ne me revautrerai plus. Lors d'un round d'action, c'est de la programmation secrète simultanée. Ça veut dire qu'on va choisir une action et une seule par round parmi les 6 actions possibles qu'on a en main. On a les 4 qu'on a en main. On a tous les mêmes et on peut les utiliser durant toute la partie. On a tous d'où les bluffs. Durant toute la partie. Il y a 3 types d'actions. Donc, le premier type d'action, c'est de la récolte de nectar. Parce que figurez-vous qu'au début de la partie, on place nos meeple abeilles, les beeples, sur le plateau. Donc, et là, on peut effectuer l'action correspondante. Ici, si je choisis... Moi, j'ai déjà des questions. Tu joues ta carte, et après, tu dis, je la mets où je veux. Tu places tes meeples d'abeilles en début de partie. Ensuite, tu vas pouvoir les déplacer, t'envoler, changer de case, tout ça, et effectuer certaines actions sur le plateau. D'accord. Là, tu as dit, j'abats une carte. Voilà, non mais voilà, là c'était juste pour expliquer les actions possibles. Donc premier type d'action, c'est la récolte de nectar et ça se fait, en fait, c'est ça que j'ai peut-être mal dit, ça se fait sur la case sur laquelle tu es. Ah ben oui, tu voilà. Ne te déplaces okay, pas. D'accord, okay. Donc la récolte de nectar, c'est tu prends 3 nectars, donc 3 petits cubes. Avec cette carte-là. Avec cette carte-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte sûre. L'autre une type, carte sûre. Oui. Oui. Ça veut dire qu'automatiquement, quoi qu'il arrive dans la partie, tu peux effectuer cette action. Pourquoi tu t'éloignes de moi quand t'expliques? Ah, tu me fais peur un peu, Fall, c'est le bon signe. Mais là, tes cartes, tu vois, regarde, tu les mets là et tu m'expliques là. T'as fait du sport ce matin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est mieux, regarde. C'est ça, c'est le regarde, on est... moi je fais ce métier-là pour être au contact des filles. Ouais, d'accord. Alors, si mais moi, j'aime pas trop me frotter là. Ouais, ouais, moi, je me retrouve là. Bah, c'est pas le genre de jeu, tu vois. Moi aussi. Alors, vas-y. Enfin bon. Donc, j'aurais dû faire des études. Donc, deuxième type de carte. Après, tu vas dire, j'ai pas entendu cette règle, tu me dis que j'ai perdu parce que tu l'as pas expliqué. Nectar, non, mais gars, c'est je m'en fous, Nod, il est en vacances, il va revenir, nectar, il aura un boulot monstrueux. Le nectar, c'est le nerf de la guerre dans ce jeu. Si tu n'en as pas, tu peux pas produire de miel. Et si tu peux pas produire de miel, tu peux pas gagner. Parce que pour gagner, il faut, pour gagner une ruche, hein, il faut avoir le plus de miel à sa couleur dans la dite ruche au moment du décompte.
D'accord. Et pour produire du miel, il faut payer avec du nectar. D'accord. Donc tu m'écoutes pour la récolte de nectar. On y va. Ça, c'est une carte sûre. On récolte 3, c'est sûr. Oui. Ça. Ça, c'est une carte qui n'est pas sûre. C'est une carte agressive. Tu vois, l'air malicieux, tout ça. Et le point d'exclamation rouge qui te montre que c'est une carte sûre. Que c'est une carte agressive. Ça ne va pas le faire. Donc, la carte agressive, tu peux récupérer tous les nectars qui sont sur ton champ. Parce que oui. Tous, sans exception, sachant qu'à la fin de chaque round d'action, tu rajoutes un nectar sur chaque champ. Okay. Donc, il peut y en avoir beaucoup, parfois. Cela dit, là, on est 4. Si on est 3 à avoir décidé de jouer ce type d'action, donc de récolte de nectar, que ce soit en carte sûre ou agressive, eh ben, on a un malus, celui qui a joué la carte agressive. Donc, le malus, c'est on ne récupère que 2 nectar et on enlève un miel dans chaque ruche dans laquelle on a du miel. Si on est 3 à avoir joué une carte de récolte, c'est bon ? Même si on n'est pas sur la même case. Oui, même si on n'est pas sur la même d'accord, case. D'accord, s'il y a 3 cartes qui ont été jouées, que c'est les mêmes, là, il y a un problème. Ok, on va gérer ce problème quand on y sera. D'accord. Et également, on a un pion premier joueur, mais ce n'est pas nécessairement le premier joueur qui va jouer, parce que le premier joueur est défini par les cartes. Le petit chiffre en haut à droite des cartes choisies. D'accord. Et le pion premier joueur sert juste en cas de choix de même carte à dire que la personne la plus proche du premier joueur qui va jouer en d'accord, premier. D'accord, ok. D'accord. Donc, voilà. Oui, donc du coup, c'est sûr, mais pas vraiment, quoi. Ben, si, c'est parce sûr. Parce que si on est comme ça tous les deux, avec genre 3, t'as plus rien, toi. Sauf que comme t'as 2 meeples abeilles, tu peux, du coup, je t'ai pris tout là, t'as un meeple ailleurs, bah tu le prends ailleurs. Moi j'ai joué Et si tout le monde t'a pris tout le nectar, ben là, c'est foutu pour toi. Ouais, enfin c'est sur moyen. Donc. Ok, c'est bon, j'ai capté. D'accord. Après. Ok, bon, après, deuxième type d'action, c'est la production de miel. Donc, en sûr, tu peux... Pour 2 nectars, tu payes 2 nectars à la banque. C'est-à-dire que tu les prends 2 devant le choix. Voilà, on part avec 5 au départ. On part avec 4 au départ. Voilà. Tu les mets là. Pour 2 nectars, tu les mets là, voilà, dans la réserve. Et tu peux soit enlever un miel adverse de la ruche sur laquelle se trouve ton abeille. Répète soit... Non, on va la refaire celle-là. Ah oui. Tu choisis soit pour 2 nectars, tu enlèves un miel adverse. De la ruche sur laquelle parce tu te trouves. On est comme ça au bout d'un moment. Oui, au bout d'un moment, on est comme ça. Voilà, monsieur Fall. On est comme ça. Donc, soit tu en enlèves un en payant 2 nectars, soit tu en rajoutes un des tiens. OK. Mais tu ne peux pas faire les deux dans le même tour. C'est ou l'un ou l'autre. Et dans la limite de 8 nectars. Ah oui, parce que quand tu accumules, tu peux virer tout le monde. C'est un peu injuste. Oui. Et tout alors à fait. Et sinon, il y a le facteur chance. Si tu es un peu short en nectar, ça veut dire genre tu n'en as pas beaucoup, mais on l'engage au Philly Winter. D'accord. Donc, si tu n'en as pas beaucoup de nectar, tu peux en payer juste un et utiliser ton petit jeton chance. Donc, dans ce cas-là, hop, tu le lances. Et s'il tombe sur la face verte, tu as le droit d'effectuer ton action en ne payant qu'un nectar. C'est une face noire comme moi. C'est ça. Face noire, tu n'as pas de chance. Face noire, tu ne peux pas. Oui, c'est un pile ou face. Voilà. Franchement, je pense qu'on a perdu Mops là. Donc, non, mais c'est bien. Chut, ne le rêvez pas. C'est bien. Donc, en version agressive, cette carte, tu peux en fait, en payant 2 nectars toujours, échanger un miel adverse contre un des tiens. Donc là, Mops, Monsieur Fall paierait 2. Et voilà, il mettrait un des tiens à la place du mien. Tu vois, là, le Mops, il s'était parce que maintenant, il se dit qu'il a envie de gagner. Et que là, il a besoin de toutes les règles. Donc, en version malus, on ne peut pas, échanger, on peut juste enlever des miels adverses. D'accord, ok. Malus, c'est encore une fois, quand on n'est plus de 3. Si on est 2, il n'y a pas de malus. Non. Si on est 3, il y a du malus. C'est ça. Donc, et c'est cette limite de 3, c'est la même qu'on soit 2, 3 ou 4 joueurs ? Non. Ou 5 ? Non, sinon c'est 2 ou 3. Quoi. D'accord, si on est 4 ou 5, c'est 3. Si on est 2 ou 3, c'est 2. C'est 2. Oui. Moi, je le tiens, ouais. Ouais, tu peux rêver ce que je viens de dire ou... Rien du tout. 2. 2. Et sachant que pour les cartes agressives, dès qu'on a un malus, de toute façon, on perd un miel dans chaque ruche sur laquelle on en a. Et ça, c'est automatique. Ta phrase n'est pas claire. Tu es d'accord avec moi ? Ah ben moi, depuis le début. On perd un miel sur le début, je n'ai pas de rien. Enfin, c'est facile. Ah non. Ah si, c'est facile. Allez. Tu joues une carte et tu fais ce qui est dessus. Ah ouais, d'accord. Et si jamais 3 personnes ont joué la même carte ? Eh ben, tu peux pas faire exactement ce qu'il y a dessus, d'accord ?
Hein ? Et tu perds tout ton miel et tu perds la partie. Bah, c'est la version manga en fait de Hornet. Moi j'ai compris, tant pis pour lui. C'est complètement surréaliste. Et les deux bleus alors ? Bon, les deux bleus, ce sont les cartes de vol qui vous permettent de vous déplacer d'un champ à l'autre. Là, on va les mettre dans la limite de trois champs. Bzzz, regarde. Bzzz. Tu vois, je me déplace. Sauf que là par exemple, il y a une haie. Je comprends mieux avec les bruits, tu sais. Ah ben bah, j'en étais sûre. Je me suis mise à ta portée. C'est un auditif. Donc là il y a une haie, tu vois, et tu ne peux pas passer de cette case à celle-là. Donc tu devras faire un petit détour. Bah oui, ils sont. Comme ici en ce moment avec les travaux. Si qu'on fait pour voiture. Éviter les frelons, on construit des haies en général. Bah oui. C'est ça. Exactement. C'est ce qu'ils font avoir, enfin, parce qu'ils sont avancés technologiquement. Donc, très très haute. Ah, baiser le frelon. Mais cette haie n'en finit pas. Là, j'ai craqué, je n'y arrive plus. Donc, sur la caisse d'arrivée avec la carte sûre, on peut récupérer un nectar. C'est bien. Une fois qu'on est, arrivé. Une fois qu'on est arrivé. Sur le voyage. Oui. Une fois qu'on est arrivé. Donc tu peux faire un déplacement de 1 à 3 cases. T'es pas obligé de te déplacer 3. Des 3. Hein. On tu peux rester sur place. 3 cases. Tu peux aussi revenir là où t'étais. C'est, bzz, un c'est rigolo. D'accord. Et, bon, ça sert pas à grand chose. C'est pour récupérer un nectar, c'est une carte. S'il y en a pas, ouais, pourquoi pas. Bon, ça arrive pas qu'il y en ait plus sur le plateau. Il y a encore un, on en a un partout, donc il y en a toujours. Ok. C'est déjà arrivé. Et là, le malus, c'est quoi ? Donc, le malus. Attends, là, trois, on en prend là ? Ah ouais, on en prend trois déjà. Vache. Si tu réussis à jouer ta carte agressive, t'en prends trois à l'arrivée, après ton vol. Et par contre, si tu réussis pas à la jouer, parce qu'il y a d'autres petits malins qui ont programmé la même chose que toi, eh bien, tu ne récupères rien à l'arrivée. Tu peux quand même effectuer ton vol jusqu'à trois cases. Tu récupères pas de nectar et tu perds un miel dans chacune de tes ruches, d'accord, comme d'habitude. Et tu perds un miel dans chacune. Ouais. Et donc, quand tu disais le premier joueur, j'imagine qu'on va tous jouer une carte. Et en fonction du chiffre qui est dessus, celui qui a mis le plus petit va récupérer le non joueur. Ça tourne en fait dans le sens des aiguilles d'une montre, normalement, mais c'est juste que le pion premier joueur détermine l'ordre du tour si plusieurs personnes ont joué la même carte. D'accord. Ça tourne. Ok, mais on résout les cartes donc, avec le chiffre qui est dessus. Oui, sauf si l'égalité, donc. D'accord, c'est le plus proche. J'ai tout compris, non ? À quoi sert cette chose ? Alors, cette chose. C'est qu'on en arrive, parce que maintenant qu'on a expliqué les actions, on va expliquer le petit décompte, les rounds de score. Donc, une fois que notre... Oh, il a disparu, voilà. C'est pour le compte tour. Hop, on est arrivé là. Donc, décompte du A. Vas-y, mets-en quelques-uns sur le A. Fais style, hop, voilà. Non, c'est bon, là, de toute façon, elle est pleine, parce qu'il n'y a que 6 places hein, sur celle-ci. Donc, décompte, c'est juste une phase de décompte, aucune action. Là, on voit les majorités, c'est clair, c'est Monsieur Fall. La rose. Donc, Monsieur Fall va emporter la A. On lui met ses 4 miels sur sa piste de score. Okay, on met aussi les miens parce que, bon, et j'ai participé, même si je n'ai pas gagné. Comme aux Jeux Olympiques. Hein. Comme aux Jeux Olympiques. Ensuite, mais Monsieur Fall récupère... Attends. Ah, OK. Attendez. Vous êtes trop pressé, moi. Vous êtes trop pressé. Vous récupérez tous les nectars qui avaient sur la case. Ah non, et voilà, j'ai pas gagné. Et voilà, parce que j'ai gagné, sa majorité me sert à prendre ça, en fait. Et ça... qui est son jeton de victoire de la ruche, prouve que, eh oui, vous le mettez là, la ruche est fermée, vous l'avez remportée. Je ne peux pas en gagner plus que 2 ? Si tu en gagnes 3, c'est la fin de la partie, ça s'arrête immédiatement. Ouais, ok. Cela dit, sinon, ça s'arrête au moment de la piste de score qui t'indique, paf, fin de la partie pour 2 et 3 joueurs. D'accord. Et dans ce cas-là, si tu n'en as gagné que 2, on compte ensuite les miels que tu as sur la piste de score et ça détermine le gagnant, celui qui en a le plus à gagner. Donc, tu peux gagner soit en ayant 3... soit en ayant 2 plus beaucoup de miel. D'accord. À la fin de la partie. Donc, nous, on va aller jusque-là, en fait. Parce qu'on est arrivé. OK. Moi, j'ai tout capté. Des questions ? Tu peux répéter ? Non, là, j'ai pas envie. Il va falloir t'en repasser la vidéo. Non, mais c'est bon. C'est simple. En fait, c'est simple. C'est assez simple. L'égalité. Mais à la fois très riche. Oui, le symbole nazi, je me demandais à quoi ça servait. Le symbole nazi, à quoi sert-il ? C'est pas nazi, ça, c'est white power. Les nazis, les frelons, tout ça. Donc, c'est en cas d'égalité. Monsieur Fall, montrez une égalité avec moi. 2-2. En cas d'égalité, personne ne gagne la ruche. Ok, ah bon. Donc, non, 6, c'est plein, c'est vrai. Donc, personne ne gagne la ruche. On ira quand même mettre nos miels sur la piste de score, hein, parce qu'on a joué. Mais voilà, c'est fermé, personne ne l'a gagné. Va falloir faire mieux au prochain tour, parce qu'il faut quand même que quelqu'un gagne la partie. Et sinon, il y a un partage équitable du nectar qui reste sur cette ruche. Équitable. Comme le commerce. Oui, comme le commerce du même nom, c'est ça. Ok. Voilà. C'est fini. Ah non. Excuse-moi. Pourquoi on en a deux ? Parce que des fois, on fait des doubles pile ou face. Comme ça. Non, c'est comme ça. Alors là, c'est pas moi qui ai choisi. Il y en a deux.
Non, je pense que c'est une question de fabrication. Il y avait de quoi faire du punch et ils ont mis ça. Certainement. Tu vois. Du punch. T'en as pas mal, toi, du punch, non? Ouais, non, je suis un peu mou en ce moment. Tu vois, j'ai un problème d'estomac. Hein, je suis un peu. Ah, c'est ça l'odeur. Je ne pourrais pas casser l'anglais. Non. Ok, on a toutes les explications là, mademoiselle Adeline? Bah oui. Tu n'as rien oublié? Alors, je vous propose de faire une partie. Putain, pas Oui, il m'a réveillé là. Oh là là.